Bonjour à vous tous, merci d'être avec nous. Je suis avec Pierre Ménès pour suivre ce match. On a rendez-vous avec le championnat. Installez-vous confortablement. On est ensemble pour 90 minutes. Un petit mot sur les deux équipes. Sur le papier, c'est très équilibré. Oui, on peut en effet s'attendre à un match très équilibré. L'équipe qui marquera le premier aura probablement fait le plus dur, c'est clair. Votre avis, Pierre, sur ce que peut réaliser cette équipe sur sa pelouse aujourd'hui ? Première partie de saison satisfaisante pour cette formation qui se tient pour l'instant à ses objectifs. La composition de l'équipe locale qui s'affiche. Je vous laisse découvrir l'organisation retenue par l'entraîneur. Un 4-5-1, on s'en souvient, c'est le système qu'utilisaient les Français en 98, mais aussi en 2006. Et vous découvrez à présent la composition de l'équipe visiteuse. Tactiquement, l'entraîneur a choisi un 4-5-1 pour cette rencontre. Et on mise visiblement sur un gros maillage du milieu de terrain pour canaliser les offensives de l'adversaire. Sao Paulo qui ne doit pas laisser le doute s'installer. On garde tous en mémoire la défaite lors du dernier match. C'était en déplacement face à Cruzeiro. C'est vrai que la défaite de 1 est encore un peu récente. Mais bon, tout le monde a l'air très motivé. C'est dans une magnifique arène de 75 000 places qu'on va suivre ce match, Pierre. On rentre dans la catégorie des grands stades, clairement. L'arbitre qui a été désigné pour cette rencontre, c'est M. Marcio Herrera Lomba. Tout le stade attend ça. Ça y est, l'arbitre siffle le coup d'envoi de cette première période. L'idée est déjà d'essayer d'imposer un défi physique à l'adversaire, histoire de prendre le match par le bon bout. La touche. Non, non, ça ne passe pas. Attention, ça peut être dangereux. Le tir. Ah, c'est hors cadre. Les deux coups. L'entraîneur se dit sûrement qu'il ne faut pas rater ce genre d'occasion. Elle peut coûter cher si son équipe venait à perdre ce match. Les 30 derniers mètres. Le ballon qui est perdu. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Le jeu qui se poursuit. Il y a avantage, c'est bien arbitré. Ça n'ira pas plus loin. Ah, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Ah, elle a lutté après pour reprendre ce ballon. Oui, il a pris l'information. Il a vu qu'il avait du soutien. Il résiste bien, hein. Bien campé pour protéger son ballon. On s'approche du but. Oui, la frappe. Et le ballon dans les bras du gardien.
Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. C'est le face-à-face avec le gardien. Oh, le défenseur intervient au dernier moment. Après cette petite phase de possession, ils perdent finalement le ballon. Elle a peut-être une bonne occasion. La frappe. Non, c'est pas très bien joué. Ah, il n'a pas cadré. Rien de frustré là, l'entraîneur. On sent qu'il aurait aimé prendre l'avantage sur cette action et on peut le comprendre. Redoublement de passe, bien joué. Un bon ballon d'attaque. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Ah, ça va pas être facile de s'en sortir. C'est parce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Ça part bien, action dangereuse. Attention, ils sont passés tout près, hein, tout près de prendre l'avantage. Il l'aurait fait s'ils avaient marqué ce but, dommage. Et air déçu, l'entraîneur, et c'est normal, quand tu rates l'occasion de passer devant, c'est sûr que t'es pas joueur en général. Hein. Il laisse l'avantage. Ouais, c'est bien arbitré. Attention, il a du champ devant lui. Interception. Attention, il peut centrer là. Non, le ballon est perdu. Ah, il se pose pas de questions. Long dégagement. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Un bon ballon qui va peut-être trouver preneur. Un danger qui s'éloigne. C'était pourtant bien donné. Ouais, bien joué la remise. Ouais, le ballon qui est perdu. Remise en touche. Ouais, c'est sifflé, que dit l'arbitre. Ce ballon qui ne trouve pas le cadre. Ah, comme diraient les anciens, c'est dedans, c'est pareil. Hein. C'est un coup franc bien tiré. Sous la pression de l'adversaire. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Non, ça ne passe pas.
L'attaque est stoppée. Un ballon perdu, l'adversaire s'est interposé. Les 30 derniers mètres. Oh, ça peut tout changer s'il marque. Le gardien qui nous régale encore avec cette parade. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ouais, non, l'action ne donnera rien finalement. La passe était trop appuyée. La défense qui va être mise sous pression avec ce corner qui est concédé. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Bonne anticipation sur cette passe. Elle est peut-être une bonne occasion. Le dégagement pour éloigner le danger. Ouais, la frappe de loin avec quelques centimètres. Un peu loin peut-être quand même. Hein. Ah, sur ce ralenti, on voit quand même qu'il était trop loin pour espérer quelque chose. C'est dommage pour l'entraîneur, il aurait bien aimé que le ballon aille au fond et on peut le comprendre. Et la mi-temps qui intervient à l'instant sur ce score de 0-0. 45 premières minutes, assez serré, le score l'atteste en tout cas. Tout reste à faire, ce sont deux formations très proches l'une de l'autre. On va dire que peut-être que c'est le coaching qui va faire la différence. Seconde période, il peut encore se passer plein de choses, hein, Pierre. À tout dépend de ce qu'ont décidé les entraîneurs, hein, puis aussi de la fraîcheur des joueurs. Un bon ballon d'attaque, il prend sa chance. Et le gardien qui s'est jeté sur ce ballon, magnifique. Il va y avoir un remplacement. Et le tireur qui a visé la zone du point de pénalty, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Très bonne intervention, bien vu, c'est pas terminé. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Allez, il peut faire un truc intéressant là, il y a du soutien. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Et la voilà la frappe. Oh, le gardien qui est sur ce ballon, sans problème. Ça part bien, action dangereuse. Ah, c'est un adversaire qui récupère cette passe.
Ah, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut... La frappe. Ça a été touché hein, par le défenseur avant de sortir. Ce sera donc un corner. Du mouvement au bord de la touche. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Le ballon qui est dégagé, ce sera un corner. Ah, bien frappé. Oh là là, l'occasion. Oh là 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 là, on a failli assister au premier but dans ce match. Plus de lucidité dans le dernier geste, c'était bon, tu l'avais ton 1-0, mais allez, un peu de patience. On a atteint l'heure de jeu. Il protège son ballon. Les 30 derniers mètres. Oui, la frappe. Ah, la parade du gardien. Et l'entraîneur qui procède à un changement. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Oh, c'est juste au-dessus. Ah, je me demande s'il ne la prend pas un peu avec le dessus du crâne. En tout cas, il n'a pas réussi à la rabattre. Ah, la passe mal ajustée. Il récupère un ballon facile. Attention, il a du champ devant lui. Le tir. Oh, c'est juste à côté. Ah, oh, mais le défenseur est bien revenu. Ça a obligé le tireur à précipiter son geste. On s'approche de la zone de vérité. Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. Il progresse. Attention, si ça rentre. Oh, le tir qui vient raser le montant. C'est pas mal fait du tout, ça. Ça aurait peut-être mérité un meilleur sort. Le remplaçant qui se prépare à entrer, mais à la place de qui? Le ballon va être en touche. Ouais, c'est un corner. Ce ballon a été touché en dernier lieu par le défenseur. Un nouveau joueur qui va faire son entrée sur la pelouse. Le tireur qui a visé la zone du point de pénalty.
Ah, c'est une touche. Un centre, il a vu ses coéquipiers. Et le gardien qui est sur ce ballon. Ouais, l'arbitre qui siffle. Ah, comme vous et moi, il a vu cette main. Hein. Danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Ah ben c'est un adversaire qui récupère cette passe. Attention à la frappe. On s'est claqué du bout des doigts par le gardien. Et c'est un corner à l'écart des trois. Corner, le ballon en pleine surface. Oh, que c'est bien donné ça. Ah, trop appuyé cette passe. Oui, attention. Oh là, les réflexes du gardien qui évite la défaite hein, pour son équipe sans doute. Oui, vu le peu de temps qu'il reste à jouer, pour revenir, ça aurait été compliqué. On en est à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Et le duel est gagné. Et la voilà la frappe. Rien qui sauve les siens sur cette intervention, toujours 0-0. Attention, ça peut être dangereux. Le ballon qui est perdu. On sent que l'entraîneur a vu un jeu plus direct. Il a demandé à tout le monde de se projeter rapidement vers l'avant. Les consignes de l'entraîneur sont claires. C'est tout pour l'attaque. Interception. Allez, qu'est-ce qu'il va en faire ? Un bon ballon d'attaque. Elle parvient à stopper cette offensive. Attention, il peut centrer là. 4 minutes de temps additionnel. Allez, 4 minutes pour y croire encore. On a l'air d'y croire dur comme fer dans le public. Manque un but à son équipe. Qui dégage son temps de 2 points sur ce centre. Bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Il y a peut-être moyen de placer un contre, attention. Ouh, quelle passe, la grosse occasion. Tacle, un superbe geste défensif. Il prend la frappe. Le coup de sifflet final. On va donc se quitter sur ce match nul. On se quitte finalement sur ce match nul. Mais bon, la saison est encore longue.